laveur. Ce qui ne serait pas anthracite. J'aime pas les anthracites. Moi, ce que j'aime pas, ce sont le vermillon. Les kakis. Tu vois? Les kakis. Ah oui! Leur tête kaki, là. Et les Romains Michel, là. Les quoi? Ben si, les Romains Michel. Moi, il me faut surtout pas me parler de turquoise, parce que ceux-là, je peux pas les piffer. Vous saviez que Steph, il était fouif? Non! Je vous jure! Moi, je crois que du côté de mon père, ils sont kraut. Hein. Et tout se passe bien? Ça va, ça va. Moi, je suis pas raciste, je tiens quand même à le dire. À part les kakis, les bleus et les Romains Michel, les autres ne me dérangent pas. Sauf peut-être ceux qui donnent tout le pouvoir aux femmes, là. Bientôt, c'est elles qui vont décider de tout. Et les roses, tu ne trouves pas qu'ils sont bizarres? Oui, j'ai déjà remarqué aussi ça. Et les racistes? Tu vois ce que c'est, les racistes? Ah ouais, ceux-là, bon, parle pas. Jim! Oh, Diemcho, t'as vu les nouveaux voisins? Ouais, des paraît que ce sont des Romains, Michel. Allez, il faudra faire attention, hein. Ouais, dis, je vais appeler ce verrou. Faudrait pas qu'ils viennent bouffer nos frites, ceux-là. Hein. Allez, dis, t'as vu leur voiture? Une vraie poubelle à roulettes. Oh là là, tu... M'en parle pas. On est dans un beau quartier, hein. Oui, les voisins ont l'air sympas. D'ailleurs, je les ai vus ce matin. Ah bon? Ils t'ont dit bonjour à toi? Non. Moi non plus. On va leur dire bonjour. Oui, d'ailleurs, j'ai préparé des gâteaux Romain Michel. Oh, monsieur, ils sont là. Mais qu'est-ce que je fais? Va voir la fenêtre. Ils sont toujours là. Oh là là. Attends, chut. Y'a personne. Ils vont nous entendre. Ouais, t'as raison. Bonjour. Ne venez pas, nous sommes malades. Mais nous sommes contents de vous voir. Ça aurait été peut-être avec un grand plaisir, mais nous sommes très très occupés. Ma femme va vous accompagner. Au revoir. On a oublié de vous donner les gâteaux, Romain Michel. Non. Dis, tu as vu, il y a deux feuilles de l'arbre des voisins qui sont tombées dans le jardin. Oui, j'ai vu. Et leur barbecue qui n'en finit pas, là. Il est 19h, ils devraient déjà être rentrés. Et ils font du bruit, en plus. Avec leur chien qui aboie tout le temps. Je sais pas si t'as remarqué, mais leur voiture, elle dépassait de 2 cm sur notre trottoir. Ça va pas aller comme ça? Ah bah non, on va aller se plaindre. Pour rire dans un quartier de Romain Michel. Exactement. T'avais monsieur, ils sont bien ceux qui ont racheté la maison quand même, hein. Des bien comme nous, des bien comme chez nous, des bons bouffeurs de frites. Et avec qui on n'aura pas d'ennui, hein. Ça c'est sûr, t'es. T'as vu les filles là-bas? Pas mal. Ouais, mais ce sont des blondes, elles sont sûrement idiotes. Tu sais comment une blonde fait de la purée? Non. Elle est plus écroquée. Tu sais, ceci une brune et une blonde. Et la brune dit à la blonde, écoute, je pars pour Milan. Et la blonde dit, quoi? Tant que ça? Je parie qu'il parle encore des blagues sur les blondes. C'est pitoyable. T'occupe. À propos, tu as lu le dernier prix Goncourt? Le roman de Jérôme Ferrari. Moi, j'ai adoré. Non, pas encore. Tu me le prêteras. Et hier, j'ai été au musée Louvre-Lens. C'était parfait. Oh oui, je compte y aller le week-end prochain. Tu les as vus? Je parie qu'elle parle encore de fringues ou de maquillage. Ouais, qu'est-ce que tu veux que des blondes parlent? De toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on nous prendra toujours pour des idiotes. Hé, hey, t'as vu les deux nanas là-bas? On va passer une bonne soirée. Ouais, elles ont une tête de citron. Sinon, qu'est-ce que tu veux manger? Ah, je ne sais pas trop. Bah, manger du chien. Pardon? Une chinoise, non? C'est parce que nous sommes asiatiques que nous sommes chinoises. Et nous mangeons pas de chien. Ah, n'importe quoi. Maintenant, dès qu'on va les hybrider, nous sommes chinoises. Mais oui, et t'as vu ces clés de Toyota? Ils comptent se fabriquer où, celui-là? T'as vu mes nouvelles chaussures? Pas mal. T'as vu ces chaussures aussi? Ça vient aussi de là-bas. Elles sont... Son GSM, je parie que ça vient de la Corée. Et le riz, croyez-moi que ça vient de Chine? Elles ont raison. Ouais. Ça va, Chou? J'ai vraiment trop mal. Faut qu'elle arrive. T'inquiète pas, le docteur va venir, tout va s'arranger. Qu'elle se dépêche. Ah, je crois qu'elle arrive. Quoi? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Donc, je suis médecin de garde. Je remplace le docteur qui est parti en voyage. Vous êtes sûr que vous êtes médecin? Ah oui, vous voyez bien, non? Vous avez un diplôme? Ah oui, bien sûr. Donc Non, non. Mais si, il faut... Non, gardez-moi chez vous. Bah tant pis, alors vous souffrirez, hein. Au revoir. Elle veut même pas me soigner. C'est honteux. Vive les Romains Michel! Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassesatellite.be.